les chansons que je vais interpréter avec le Geneva Camerata sont évidemment des énormes tubes du rock, de la pop, du R&B. Et c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant de se confronter à ça. Et justement, c'est très intéressant de le faire dans un contexte différent du contexte original. Ça permet d'y apporter une touche nouvelle et ça permet de ne pas avoir espèce de pression de ces monuments au moment de les interpréter. De monter sur scène après le Requiem de Mozart, je pense que c'est quelque chose qui ne m'arrivera pas deux fois. Je pense qu'au moment de monter sur scène, l'important sera d'être dans l'instant et de vraiment profiter de toute cette émotion et de cette chance incroyable de jouer avec ces musiciens-là. Et je vais profiter du moment, des musiciens, de ce qu'on va créer ensemble et surtout de ce que ça va procurer au public et ce que le public va nous renvoyer. C'est quelque chose de très important pour moi, cette réciprocité avec les gens. Donc autant les gens qui seront dans la salle que les gens avec qui je serai sur scène.